Vous l'avez vu avant de cliquer sur cet épisode, Mélanie Josquin va nous parler de notre enfant intérieur. Si, après l'écoute de notre échange, vous souhaitez aller plus loin, j'ai une très bonne nouvelle. Nous organisons un atelier avec Mélanie le jeudi 7 avril à 20h30 sur Zoom pour justement nous reconnecter à notre enfant intérieur et en prendre soin. Et oui, la parentalité bienveillante s'applique aussi à nous-mêmes. Au cours de cette soirée, Mélanie nous accompagnera à travers des exercices très pratiques, très accessibles et une méditation pour que nous vivions cette belle rencontre. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix, le podcast, sur Instagram et sur Facebook. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue. C'est parti! Par où commencer lorsqu'on veut se reconnecter à notre enfant intérieur? Eh bien, c'est ce que nous indique aujourd'hui Mélanie Josquin, psychologue clinicienne. Nous avons compris la semaine dernière avec elle ce concept d'enfant intérieur et combien il était important d'en prendre soin. Alors, Mélanie revient dans cet épisode bis pour nous expliquer à travers des étapes concrètes comment y arriver. Bonjour Mélanie, je suis ravie de te retrouver dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, je suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui. Merci à toi. Bon, merci. Écoute, on se retrouve pour cet épisode bis dont, franchement, on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver le thème, puisqu'on en a beaucoup parlé ensemble la semaine dernière, l'enfant intérieur. Donc là, aujourd'hui, dans cet épisode bis, tu vas nous donner quelques clés pour nous, au quotidien, apprendre à prendre soin de nous à travers notre enfant intérieur. Donc concrètement, Mélanie, dis-moi, par quoi est-ce qu'il faudrait qu'on commence? Alors la première chose, la première clé qui me semble vraiment importante, c'est de prendre l'habitude de faire son petit bilan intérieur au niveau émotionnel. Hein. Donc avec les enfants, j'utilise en atelier le concept de météo intérieur. Donc avec les adultes, je vais dire, regardez un petit peu votre arlequin émotionnel. Parce que au fil de la journée, on enfile un peu des costumes, enfin on a des touches de couleurs qui se mettent sur nous, on va prendre différentes émotions qui vont avoir différentes couleurs. Et voilà, ça pèse de plus en plus lourd. Et si on prend pas l'habitude d'écouter ça, de se connecter un petit peu à ce qu'on ressent, eh bien pour un événement peut-être minime, quand on va rentrer chez soi le soir, on va partir en live, si j'ose dire, on va se mettre dans des étapes impossibles pour un événement qui ne justifiait pas. Et donc, c'est tout ce qui s'accumule toute la journée. Donc, la première des clés qui peut nous permettre de nous connecter à cet enfant en nous aussi, c'est se demander, c'est la question que je propose toujours dans mes accompagnements, c'est comment je me sens à l'intérieur de moi. Il s'agit vraiment de se la poser plusieurs fois par jour ou quand on sent que le lait commence à bouillir dans la casserole. Hein, c'est voilà, joliment dit. Nous, là, ça menace un peu de débat. Ben oui, mais c'est ce que j'utilise aussi beaucoup comme image et ça fonctionne bien. On a le pouvoir de baisser son propre feu. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir de jugement envers soi dans ces moments-là. Et ça permet aussi d'atteindre un équilibre entre ce que l'on ressent, ouais, ce que l'on est au plus profond de soi à ce moment-là et ce que l'on montre. Parce que quand on démarre une journée et qu'on a une contrariété et qu'on va pas bien, mais qu'on arrive dans un endroit, alors que ce soit professionnel ou amical ou même à la salle de sport, je sais pas, enfin peu importe, avec un grand sourire mais qui n'est pas du tout accordé à ce qu'on ressent au plus profond de soi, bah la journée en fait on se ment, enfin on dupe les autres parce que on veut pas montrer que ça va pas. Alors soit on va le dire, bah aujourd'hui pas terrible, on va dire pourquoi. Si on sent que l'entourage sera pas réceptif ou que c'est pas le lieu ou pas le moment, simplement le fait de l'avoir
reconnu en soi, de s'être donné les moyens d'accueillir ça, on va pouvoir après remettre un sourire, pas de façade et pas comme un masque social, mais comme quelque chose de, bon, bah là, dans cet environnement-là, je dois faire comme si tout allait bien parce que je suis au travail ou parce que je vais pas craquer devant tout le monde dans la salle de sport. Mais n'empêche qu'au fond de moi, j'ai reconnu ça et je vais tout à l'heure me donner les moyens de me cajoler pour surmonter ça et me donner de la douceur. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important d'équilibrer vraiment au fond de soi ces différentes couleurs émotionnelles parce qu'on dit très bien en psychologie que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et que quand on est dans le déni de ce qui nous traverse, que ce soit nous en tant qu'adultes ou un de nos enfants intérieurs, le corps va parler à notre place. Hein, alors, on ne va pas tout psychologiser et dire que toutes les maladies sont liées à quelque chose d'émotionnel, mais quand même, ça peut être déclencheur. Enfin, une série d'émotions reniées, bafouées peut nous donner des mots MAUX et il faudra mettre des mots MOTS dessus, quoi. Ok, donc première clé, on observe nos émotions, on fait le point. Voilà, on fait un petit check-up des émotions qui nous habitent à l'instant T. Exactement. Sans hésiter à faire un petit scan corporel et à se dire, bon, voilà, je me sens comme ça et où est-ce que ça se situe dans mon corps? Et alors, la clé qui en découle, ça va être à l'écoute de ses besoins. Comment est-ce que je vais pouvoir apaiser cette émotion et ces tensions? Donc, parfois, on peut pas le faire tout de suite, bien évidemment. Oui. Et donc, se dire, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rendez-vous avec moi tout à l'heure, même si c'est une minute, pourquoi pas dans les toilettes. C'est un exemple que je donne toujours, ça fait rire, mais les toilettes, on peut être tranquille, quoi. Voilà, sur le lieu de travail ou même à une soirée. Quand on est maman, c'est vraiment notre lieu de refuge avec des tout-petits, moi je me rappelle. Carrément, sauf quand le petit frappe à la porte, mais... Ah bah oui, bien sûr, ils essayent toujours. Mais en tout cas, c'est quand même un moment où alors il y a aussi un endroit qui est top pour pouvoir se libérer de choses difficiles et désagréables et où on va pouvoir se dire, je vais aller vers mon besoin quand je vais être arrivée, c'est la voiture. Hein, se mettre à pousser un cri primaire dans sa voiture, mais c'est libérateur. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, de quoi j'ai besoin? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai besoin de respirer? Est-ce que je peux aller boire un verre d'eau? Est-ce que je peux aller mettre le visage en ouvrant la fenêtre? Je vais respirer dehors simplement l'air. Est-ce que j'aurai besoin d'écrire une bafouille sur un brouillon que je vais déchirer après pour libérer un petit peu ce qui me pèse sur le cœur? Et puis plus tard, dans la journée ou ce week-end, quel rendez-vous je vais prendre avec moi pour me faire du bien? Ok, donc en fait, on a reconnu nos émotions et notamment celles qui nous embarrassent un peu et on réfléchit à quelle solution, quel besoin il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ces émotions-là à travers un besoin qui n'aurait pas été rempli, quoi. Et ça permet après, c'est encore une clé, c'est de poser de la conscience sur soi, hein, et de voir vraiment, quand je pense ça, je ressens ça, et je fais ça et j'obtiens ça. Donc c'est vraiment le schéma, je pense, j'ai une émotion, je mets en place une action et j'obtiens quelque chose. Mais parfois ça va pas, l'enchaînement ne va pas bien. Si je pense je suis nulle, je vais peut-être être en colère. Donc du coup, je vais pas oser prendre la parole en réunion. Et je vais pas avoir la promotion que j'aimerais avoir. Je dis n'importe quoi, hein, j'ai ce qui vient. Mais en tout cas, voilà. Alors si je me dis, bon bah d'accord, je me trouve nulle, je me sens en colère, c'est ok. Et puis on va prendre un petit peu de recul. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de me rassurer. Oui. Comment est-ce que je peux me rassurer? Bon, bah peut-être que je vais repenser à quelque chose que j'ai très bien fait ces derniers temps, à un compliment que mon supérieur m'a fait. Et bah donc j'ai pas besoin, j'ai le droit de douter de moi, c'est ok. Mais la vie me montre aussi que je ne suis pas toujours nulle. C'est moi qui me raconte cette histoire-là. Et puis mon petit enfant intérieur, il a peut-être besoin qu'on le rassure. On se dit non, mais t'as pas toujours été nulle. T'as raison. Enfin voilà, on se prend main dans la main. Allez, on va se donner du courage. Et puis du coup, je vais peut-être pas prendre la parole trois fois en réunion comme j'aurais aimé le faire parce que j'ai pas encore mon sac à dos de confiance qui est rempli, mais peut-être une fois et je vais avoir un regard et un sourire de mon supérieur et ça va me donner envie de continuer. Voilà, un exemple. Tu vois, et cet enfant intérieur là qu'on a peut-être pas toujours laissé s'exprimer parce que il avait pas confiance, il va avoir envie de pousser l'adulte qu'on est à renouveler cette expérience. Mais oui, bien sûr. On renie pas l'émotion, elle est là. Mais on la calme, on l'accueille, et puis ah, mais du coup, la boule dans le ventre, elle a disparu. Ah bah, et puis je suis fière de moi. Et là, ça donne des bonnes hormones, et voilà, et c'est parti, quoi. C'est rigolo parce que les conseils que tu nous donnes, c'est quand même très lié à la communication non violente. Parce que pour m'y être formée, il y a la première étape, c'est l'accueil des émotions, exactement, tu vois, comme tu nous l'as décrit. Et puis après, reconnaître quels sont les besoins non exprimés derrière ces émotions-là.
C'est pareil avec l'enfant intérieur, tu vois, c'est l'accueillir et reconnaître ses besoins. On est vraiment dans des choses très transversales, effectivement, tu as raison. Ok, donc on a reconnu cet enfant intérieur et ses émotions. On a vu quel était son besoin en essayant d'y apporter des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour se reconnecter à notre enfant intérieur ? J'aurais envie de dire qu'il faut développer ce que j'appelle l'autocompassion et l'auto-empathie. S'attendrir sur soi. Être capable de s'aimer en toutes circonstances, même quand on se sent moche. Moche dans nos... Je peux parler physiquement, même si on peut se sentir moche physiquement, hein, mais on n'est jamais moche à 100%, j'y crois pas du tout. Mais moche dans nos réactions, dans nos jugements, dans nos pensées. Ouais. On a tous des parts d'ombre et des zones où on n'est pas du tout fiers de nous et on a le droit, on est vraiment pas parfait, ça n'existe pas. Et voilà. Donc, en s'apportant de la bienveillance et s'accorder à soi dans tout ce qu'on est. Et ce que je dis beaucoup, c'est que être bienveillant, c'est savoir bien veiller. Et faut peut-être commencer par bien veiller sur soi pour pouvoir être bienveillant et bien veiller sur les autres. Et que plus on a de frustration, plus on a de colère et plus on a de choses qu'on renie en nous et ou qu'on dénie, et moins on va pouvoir avoir des interactions de qualité avec notre environnement. Donc voilà. Donc si on va se dire aujourd'hui j'ai besoin de ça, j'ai besoin de douceur et puis je suis peut-être un petit peu sévère avec moi-même et puis j'ai fait ça tout à l'heure et c'était pas très très glorieux, mais bon, j'ai pas pu faire autrement à ce moment-là parce que ça a réveillé en moi quelque chose du passé. Il y a des phrases hein parfois qui sont prononcées par un tiers qui nous remettent inconsciemment à la source de quelque chose qui a été dit dans l'enfance. Et donc là l'enfant intérieur, il va se manifester très très fort et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une réaction démesurée qui est souvent pas celle de l'adulte quand on a fait notre rencontre, notre première interview, mais qui est vraiment l'enfant intérieur qui là va s'exprimer très 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 fort, qui tape des pieds et qui fait entendre sa voix. Donc c'est ça. Et se dire pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il se manifeste comme ça, il m'apprend quelque chose, il est un guide en fait, il me montre le chemin de l'écoute de soi et de l'expression de soi. Donc non seulement on accueille, mais on essaye d'être un parent bienveillant aussi pour notre enfant intérieur. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière clé à partager pour que là, vraiment, on soit pleinement dans le soin de nous-mêmes et de notre enfant intérieur ? Eh bien, j'aurais envie de dire qu'il y a deux petites choses qui me viennent. La première, c'est une phrase que j'aimerais ancrer. C'est « Personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ». Oh oui, ouais. Et parfois, nos relations sont altérées parce qu'on imagine que l'autre se rend compte qu'on a besoin de ci ou besoin de ça. Donc, ça nous met dans un état pas possible, sauf qu'en fait, on ne l'a pas verbalisé. On n'a pas dit, mais en fait, j'aurais besoin de calme. Ou en fait, j'aurais besoin d'aller me reposer 5 minutes. En fait, j'aurais besoin de manger quelque chose là. En fait, j'aurais juste besoin que tu ne me racontes pas ta journée tout de suite, mais que tu attends que le dîner soit terminé. J'aurais juste besoin de regarder mes mails et puis je suis à toi tout de suite. Et si on ne le dit pas, l'autre ne sait pas. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Comme le petit enfant qui a des besoins et qui nous les dit très, très fort. Mais le petit enfant réel, hein, nos enfants, là, je parle de nous en tant que maman, on n'entend pas, en fait. Et des fois, on n'écoute pas, on n'observe pas. Et alors que finalement, tout est là et que si on y prêtait attention 2 petites secondes, eh bien, son besoin serait assouvi et il se sentirait entendu et on ne partirait pas dans des disputes ou dans des broutilles. Du quotidien. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et puis, il y aurait peut-être quelque chose d'autre que j'aurais envie de dire. C'est, il ne s'agit pas toujours de chercher à comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi l'enfant, il se manifeste. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors, en thérapie, en atelier, guidé, etc., je pense que c'est important d'aller chercher l'origine. De ce qui fait souffrir, ce qui fait réagir comme ça, mais surtout se dire comment je vais faire maintenant pour avancer, comment je vais faire maintenant pour me réparer, pour être le plus en phase possible avec moi. Voilà, quels moyens je vais me donner, et puis passer à l'action, recenser ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, et ça rejoint ce que je viens de dire, de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux, pour pouvoir aborder la vie, les relations avec les autres plus sereinement, de manière plus harmonieuse et me sentir plus à ma place et plus respectée et entendue. Mais d'abord, il faut que moi, je m'écoute. Ok, oh, génial. Écoute, merci beaucoup. C'est des conseils très concrets qu'on peut chacun mettre en place assez facilement, assez vite, que ce soit pendant notre pause aux toilettes ou dans notre voiture. Mais en tout cas, c'est très concret. Donc, merci pour ça. Ma petite fille intérieure te remercie. Et maintenant, elle me dit à moi,
fait le job. Mais... mais ouais, merci beaucoup Mélanie, c'est très enrichissant. Et je le redis pour ceux qui n'auraient pas d'infos, on a un atelier ensemble le jeudi 7 avril à 20h30. Dans lequel justement on va aller prendre soin de notre enfant intérieur à travers plein d'exercices très pratiques, très concrets que tu vas nous proposer. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous sur les réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix, le podcast, et vous aurez toutes les infos. Et j'ai hâte de vivre aussi ce moment-là et cette soirée-là avec toi, Mélanie. Eh bien écoute, je m'en réjouis aussi et je te remercie pour ton accueil et ce moment de partage. Eh bien avec grand plaisir. Merci Mélanie. Au revoir. Au revoir. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous, et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serai ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.